Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais témoigné la semaine passée, mais comme je n'avais pas les épreuves à l'appui, d'accord. C'est pour cela que j'ai amené ça. C'était ça, c'est pour la tuberculose. Tu avais la tuberculose, tu avais quoi d'autre? C'était, j'ai oublié déjà. L'hépatite C, voilà. Voilà. Tout ça, là. Oh, ben, dis donc, il y a même des CD, tout ça, là. C'est terrible. Hépatite C, quoi d'autre déjà? Tuberculose, hépatite C? Ça, c'est pour l'hépatite C. Ça, c'est pour l'hépatite C. Donc, la preuve comme quoi il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Là, prends le micro, là, prends le micro. Alléluia! Wow! Jesus! Oh, mon Dieu! Eh ben, c'est terrible ce que le Seigneur fait ici, frères et sœurs. Laboratoire, voilà. La sœur est passée par, elle est d'abord passée par le laboratoire spirituel. Amen. Jésus-Christ de Nazareth a nettoyé son corps par son sang. Amen. Et puis elle est partie dans ce laboratoire humain. Et il n'y a plus rien. Voilà. J'ai réservé un cantique pour le Seigneur. Tu as un cantique, bien évidemment. Il faut les cantiques ici là pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes couverts spirituellement, éternellement. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. La série continue. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Voilà, mon témoignage à moi, là, c'est pour la gloire de Dieu, pour Amen. Montrer que quand il fait quelque chose, il le fait parfaitement, et ça dure. Amen. Voilà, ça, c'est une ordonnance qu'avait fait mon rhumatologue, à je ne sais pas qui d'ailleurs, je ne m'en rappelle plus, il y a tellement longtemps. Ah non, c'est le rhumatologue qui a répondu à mon médecin concernant un lumbago que j'ai eu il y a... En 92, je me suis trouvée coincée dans le lit un matin, sans pouvoir bouger même pas un centimètre carré de peau, sans hurler de douleur. Et ça pendant 4 mois. 4 mois, j'étais couchée, je souffrais jour et nuit et je ne pouvais pas me lever. J'ai perdu tous mes muscles et tout. À ce moment-là, je fréquentais une église évangélique. Heureusement qu'il y avait les frères et sœurs parce que je suis seule. Et ils m'ont porté à manger, s'occuper de moi. Mais le médecin, il devenait fou parce qu'il a tout fait pour moi. Il m'a même fait brûler de l'herbe sur mon dos, faire des tas de médicaments. Ils m'ont détraqué l'estomac, les intestins et tout. 4 mois. Au bout de quatre mois, péniblement, je me suis relevée par la volonté tout en souffrant. Et j'ai souffert, je croyais 7 ans. Mais en réalité, sur le papier, c'est marqué 10 ans. 10 ans de souffrance. 10 ans de souffrance perpétuelle, jour et nuit. Waouh. Je ne pouvais pas me lever pour m'asseoir, il fallait que je fasse comme ça. Je ne pouvais pas attacher mes chaussures, je ne pouvais rien faire à la maison. J'avais le jardin, je ne pouvais rien faire. 10 ans, j'ai souffert. Et un jour, c'est... Voilà. Tu peux pas te soucier. Et un jour, on m'a prêté un livre sur l'amour du Père. Et je lisais ça. Alors, je me suis couchée. Il faut que je vous raconte pourquoi, parce que je me suis couchée comme on se couche quand on a mal au dos, comme ça. Comme ça, je mettais un oreiller sous les genoux parce que pour essayer de soulager la douleur. Et je lisais ce livre dans lequel cette sœur racontait tout son témoignage, cette relation qu'elle avait avec Jésus, avec Dieu. Mais moi, je n'avais pas ça. Je dis, mais moi, j'ai pas ça. À ce moment-là, dans ma chambre, il est rentré comme un nuage. Toute ma chambre a été envahie d'un nuage clair. Mmh. De ce nuage est sorti 2 bras qui m'ont entourée. Waouh. J'ai été remplie d'un amour, mais d'un amour que sur terre... En pleine journée? En plein jour? Le soir. En me couchant. Waouh. C'était pas la nuit, hein, c'était en me couchant. D'ailleurs, j'étais souvent couchée parce que j'avais tellement d'accord. mal. D'accord. Hein. Et j'étais remplie d'un amour. Et comme ça, clac, finish. Je me suis levée. Voilà. Alléluia. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux rendre gloire à Dieu. Pour dire à ceux qui souffrent de ne jamais désespérer. 10 ans, j'ai souffert. Je ne vous le souhaite pas, hein, mais si vous souffrez, attendez-vous au Seigneur. Parce qu'il m'a guéri par sa grâce, tout simplement. Je ne méritais rien. Mmh. Tu n'as rien payé pour. Hein. Pardon ? Tu n'as rien payé pour cette guérison. Non. Mmh. Et on ne m'a même pas prié pour moi. Le pasteur, il oubliait à chaque fois de me faire de l'onction d'huile. Voilà. Enfin, voilà. C'est alléluia. Ce que je voulais dire. Mais... Ah oui, et je voulais dire que donc, comme il fait quelque chose, il fait tout à merveille. Donc, on est en 2014, et ça se passait en 2002, mais c'est en 2003 qu'il m'a soignée. Je peux tourner, je fais mon jardin, je monte à l'échelle, je coupe les arbres. Wow. Ça, c'est la gloire, elle est pour Jésus. Alléluia.
Alléluia. Dieu est trop fort, frères et sœurs. Y a-t-il quelqu'un d'autre que le Seigneur a guéri miraculeusement comme ça, là? Oh, je sais qu'il y en a beaucoup. Oui, tu peux venir, alors. Ah, wow. Alléluia. On est vraiment, on est encouragé là. On est... Ah, mais il y a mon ami, il y a un papier, elle vient avec son... Mais ça, c'est terrible. J'ai une crise d'épilepsie. Centre hospitalier sud-francilien. Déjà un an que j'ai ça. Comment? Déjà un an que j'ai ça. Ça fait un an que tu avais cette maladie. Le 6 de décembre, qui m'a donné, m'a cassé la tête. D'accord. Contre un radiateur. Donc ils ont fait trois fois déjà. Trois fois d'examen. Et là, c'était dimanche. D'accord. Et là, tu es complètement guéri là-bas, le Seigneur. Là. Samedi. Hein? Samedi dernier. Mmh. Eh bien, comment tu te sens maintenant? Parce que je prends plus de médicaments. Et comment tu te sens aujourd'hui? Je n'ai même pas le chercher. D'accord. Je n'étais pas cherché de médicaments. Regardez, il n'y a pas de fatigue là. Waouh. Et comment tu te sens aujourd'hui alors? Bien. Bien. Mmh. Mieux. Mmh. Alléluia. Je ne prends pas le médicament pour la plepsie, rien. C'est fini. Depuis samedi, non? C'est fini. C'est fini. Eh bien, gros. Alléluia. Et je remercie éternellement tout ce qui m'est arrivé, parce que ça fait à peu près 2 mois que je viens ici. Grâce à une dame, un jour, j'ai rencontré, je promenais mon petit chien, j'étais un brebis perdu, et j'ai rencontré une dame, Lisa, qui me dit, qui me demande l'adresse d'ici. Mais je lui dis, mais je sais où vous allez. Elle me dit, ah bon? J'ai dit oui, parce que je crois qu'il y a des gens qui viennent là tous les jours, je les vois. Ils n'entendent pas les gens. Quand ils viennent de là, ils ont un sourire, moi je ne comprends pas. Pourquoi ces gens-là sont heureux, pas moi? Alors elle me dit, promenez votre chien et venez, je vous laisse une place et vous allez venir avec nous prier. Je suis arrivée, excusez-moi, je suis arrivée ici, j'ai regardé, j'ai dit, oh, je cherchais quelque part. Le son, est-ce qu'on peut monter un peu ? Je cherchais ma famille, je cherchais la chaleur humaine et je crois que je l'ai trouvée ici. J'ai dit, mais ce n'est pas possible, mais tout ce que j'entends, tout ce que je vois, ça ne peut pas m'arriver. J'étais déjà malade, je n'ai rien dit. Hein. Je suis arrivée ici tranquillement, j'ai prié avec elle. Et même elle, je ne lui ai pas dit que j'étais malade comme ça. Et je suis arrivée la semaine dernière, je ne sais pas comment... le Seigneur a vu que j'étais vraiment mal, parce que je devais me faire opérer d'un cancer de l'utérus. Donc, les papiers sont là. C'est de toi dont il était question. Oui. Donc, oui. Tu devais te faire opérer du cancer de l'utérus. Oui, voilà. Et là, je vais voir le médecin. J'ai fait tous les radios, tous les machins. L'opération était prévue. Donc, ce sont les radios. Oui, oui. C'est l'IRM. Et voilà ce que j'avais. Voilà le papier du médecin qui me disait que j'avais le cancer était déjà de 15 cm à 10 cm. Donc ça, ce papier qui atteste que la sœur avait déjà un cancer de 1, le cancer de... Voilà, on va montrer ce papier également. Voilà, merci. Donc voilà les preuves de son cancer, de sa maladie. Alors voilà. Donc, moi, je vais le voir la semaine dernière parce que je suis encore un peu fatiguée. Et il me dit, là, c'est fini, je ne peux pas vous opérer à la fin de l'année comme c'était prévu. Je lui dis, ah bon? Eh bien, je le savais. Il m'a dit, comment vous le saviez? Mais je ne peux pas vous opérer. J'ai dit, ah bon? Bon, c'est pas grave. C'est grave, docteur. Est-ce que c'est peut-être trop avancé ou pas? Il me dit, non. On va voir. Après les fêtes, on va voir. Mais pour l'instant, je ne vous touche pas. Et j'ai dit, mais bon Dieu, c'est ça qui s'est passé ici. Et ça ne peut pas m'arriver, ce n'est pas vrai, je ne peux pas, avec tout, depuis des années je souffre, ça ne peut pas m'arriver. Depuis 1999, j'avais un problème cardiaque, donc j'ai arrêté de travailler depuis 1999. Je vais voir mon cardiologue qui me dit, mais madame, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais vous n'avez plus rien. Votre cœur bat très très bien. Loïc, attends, deux secondes.
Alléluia. Dieu est grand. Hein, c'est le résultat de la guérison de son cœur. So these are the results of the healing of her heart. Le résultat de la guérison de son cœur. These are the results of the healing of her heart. Les problèmes cardiaques ont disparu. So she had a heart problem and it all disappeared. Alléluia. Alléluia. Le cancer a disparu. Cancer disappeared. Les problèmes cardiaques ont disparu. The heart problem disappeared. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Only Jesus is able to do so. Alléluia. Jesus. Quand on avait prié le 31 octobre, le jour même où elle est devenue sourde, Dorothée, tu avais reçu une parole du Seigneur comme quoi la guérison sera progressive. Effectivement, là j'ai un audiogramme du 5-11, c'est-à-dire 5 jours après. Tu vois, la perte d'audition était de 95%. Et une semaine après, le 13, la perte d'audition était de 82,8%. C'est-à-dire que Dieu lui a redonné une audition de 17,2%. D'autre part aussi, il y a 15 jours, elle ne pouvait pas non plus écouter sur Internet avec un casque, ça lui faisait trop mal. Et là, depuis à peu près une dizaine de jours, elle entend à nouveau un petit peu. Alors, il faut que ça soit ta voix qui est assez forte et assez claire pour qu'elle l'entende, hein, c'est sûr. Donc, vas-y, hein, faut que tu y ailles, hein, ok. Une autre chose aussi qui est extraordinaire, elle nous disait ça il y a vendredi dernier quand nous étions rassemblés avec des frères et sœurs, c'est que Dieu lui donne 24 heures sur 24 des louanges. Elle entend des louanges, mais des louanges qu'elle connaît, mais c'est comme si que Dieu l'encourageait, lui disant qu'il est là. Et ça lui donne la force, je pense, de supporter cette épreuve, parce que c'est pas facile, hein. Vous savez, mettez simplement vos mains sur vos oreilles, vous verrez, c'est pas évident pour elle, hein. Parfois, bon, il y a des bonnes attaques dans les pensées, moi je dois le dire aussi, mais on fait confiance au Seigneur. Et puis, chose extraordinaire aussi, c'est que tous ces rendez-vous qui étaient programmés au mois de décembre sont reportés en janvier. Alors, je sais pas, mais je m'attends encore à quelque chose du Seigneur. Jesus. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. Deux secondes. Qu'est-ce qui se passe, frère? Ça faisait 7 ans que Amène-la. 7 ans que je luttais contre mon propre corps. J'avais des problèmes respiratoires insuffisants. J'avais perdu mes muscles comme si on les avait dégonflés. Donc, une longue maladie. J'ai cherché la gloire de Dieu. Je vous suivais sur YouTube. J'ai cherché la guérison. Je respirais plus. J'avais des problèmes d'arthrose, problèmes musculaires et problèmes des reins. Le frère qui m'a imposé les mains, j'ai vu la gloire de Dieu. Je me suis effondré. Et là, tu te sens mieux. Je me sens mieux. Tu respires mieux. Je respire mieux et mes muscles sont revenus. Zamba salaka bika moi. Oh, le miracle. Jésus. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que notre Dieu a fait? Ben, notre Dieu, il est vraiment merveilleux. C'est vrai que chez nous, aux Antilles, pour ceux qui sont antillais, quand on va à l'hôpital La Ménard, c'est vrai qu'on nous fait entrer dans un premier temps, mais c'est pour nous stocker sur des lits, des brancards et tout ça. Et jamais mon fils n'a pu avoir de résultats positifs, c'est-à-dire la guérison. Et nous sommes venus, c'était le mois dernier, au mois de novembre. Mais bien avant ça, il faisait des malaises. Voilà, c'est comme ça qu'on a pu détecter qu'il était anémié. Et nous sommes venus le mois dernier ici. Et le frère a lancé un appel disant... est-ce qu'il y a des gens qui sont anémiés? Non, pour ceux qui sont anémiés, de venir. Donc, j'ai dit à mon fils, va prendre ta guérison. Il ne voulait pas. Bon, j'ai insisté, il s'est avancé, mais le frère ne l'a pas touché. Mais moi, ce que je faisais en parallèle, bien avant, je lui donnais ce qu'on appelle Floradix, pour ceux qui connaissent. Je lui donnais du cheval. Le cheval n'a rien fait. Il a consommé beaucoup de cheval. Okay, cheval la viande n'a rien fait. La viande de cheval. La viande de cheval. Okay, pourquoi? Parce que. Eh bien, on dit que c'est bon pour l'anémie, c'est ça un apport. Ok. Voilà. Donc, quand il est venu ici, le frère ne l'a même pas touché, hein, parce qu'il était dans la foule avec les autres. Et là, j'ai reçu les résultats.
que voilà. Donc vous êtes parti faire des tests, tout ça? Oui. D'accord. Tu as demandé de... J'ai demandé à ce qu'on fasse, voilà. Effectivement, faire des tests, ouais. Voilà. Le Seigneur m'a poussé à le faire, oui. Voilà. Donc. Et le médecin, lui-même, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Alors, ces deux feuilles-là, les... Oui, ça c'est l'ancien. L'ancien. OK. Le nouveau. Le nouveau, OK. On va montrer ça aux frères et sœurs qui sont là, qui nous suivent. Voilà, là, c'est le premier test qui avait condamné cet enfant. Voilà. Donc, merci Seigneur pour toutes ces guérisons. C'est bon? OK, parfait. Et le deuxième maintenant, voilà. Qui... Donc, on peut faire la différence entre là et là. Ah ben, ouais, ça c'est sûr. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, c'est sûr. Ah ouais, carrément, ouais. 56. D'accord. C'est, voilà. De 27, il est passé à 31. D'accord. Il est passé à... Donc là, c'est le deuxième test, voilà. C'est beau ce que le Seigneur fait. Donc... Tu disais que le médecin, que c'est pas avec le médecin. Alors quand médecin... je suis allée le voir pour récupérer les analyses, il m'a dit, d'abord il m'a donné tout un tas de trucs. Hein. Donc maman demande un bilan neurologique. D'accord, c'est ce qu'il a, parce qu'il était parti pour demander un bilan, un autre bilan. Voilà, un okay. Bilan. Il s'agit d'un problème d'attention. Ok, pas de problème, alléluia. Ça va aller. C'est... Voilà. C'est pas le diable, vous inquiétez pas. Amen. Ok. Voilà, pour enfin me dire qu'au niveau de son bilan sanguin, le bilan ne montre qu'une inversion de formule leucocytaire. Et il a bien mis sans importance parce qu'il ne savait pas quoi me dire. Il ne savait pas quoi me dire. Et là, je lui dis, mais est-ce que le fait que ça soit inversé, est-ce que c'est pas bon? C'est... Il m'a dit non. Ça s'est inversé, c'est beau. Voilà, ça s'est inversé, mais moi dans mon cœur, je savais que c'était Jésus. Ah ouais. Ah ouais, je savais que c'était Jésus qui l'avait. Alléluia, voilà. Gloire à Dieu. Et tout ça, c'est gratuit, hein? Gratuit. Tu n'as rien payé? Non, jusqu'à présent. Amen. En principe, ils envoient toujours la facture après. Ils envoient la facture après? Après. Mais là, avec notre jusqu'à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, facture. C'était le mois dernier, je n'ai pas reçu la facture. D'accord. Il y a une personne qui a une ceinture autour de la taille par rapport à son dos qui lui fait somebody who has souffrir. C'est un esprit impur. There's an unclean spirit. Qui la lâche. Come out. Maintenant. Right now. Quitte-la. Maintenant. Come out. Maintenant. Come out. Quitte-la. Come out. Amenez-la, s'il vous plaît. Bring her up front, please. Et une guérison que Dieu lui accorde. There's a healing that the Lord Est-ce qu'on peut us. Acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Dieu est trop fort. God is so strong. Ah, il est merveilleux. You are so great. You are great. You are great. You are great. He is great. He is wonderful. He is wonderful. Ah, on peut acclamer le Seigneur. We can give a hand clap unto the Lord. Dieu. Oh, alléluia. Ce problème de dos. This back problem. Fini. Is over. Ah, viens. Oh, la clause. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles.
Wow! Ça va, ma soeur? How are you, my sister? Regardez-moi ça. Look this. Le Seigneur a dit qu'il y a une personne qui porte une ceinture à cause de. The Lord said that there was something that there was somebody that was wearing this belt because this person had back issues. Je ne la connais pas cette femme. I don't know this woman. Dis-moi, ma soeur, est-ce qu'on s'est déjà vu tous les deux? Did we meet before? No. 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 Hallelujah. 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 Amen. Je sais pas chanter. I don't know how to sing. But before speaking, I will sing a song. Un jour à Golgotha, Jésus a expiré. Il a dit, tout est accompli. Right now. Say it, say it. Hallelujah, nous sommes sauvés. Il a dit, tout est accompli. Hallelujah, nous sommes sauvés. Oh, Golgotha, Golgotha, oh Golgotha, jamais je ne l'oublierai. Hallelujah. J'ai mal au dos depuis presque 20 ans. I've been suffering from my back for 20 years. Ça m'a paralysé 3 ans. I've been paralyzed 3 years because of it. Suite à ça, qu'on m'a donné cette ceinture. And after that, I've been given this belt. J'ai parcouru toutes les églises. I've been around all the churches. Où j'étais tout dernièrement. And lately, quand j'étais rentré, j'ai donné une voiture. J'étais la plus la princesse de l'église. When I went in, I gave a car. Quand je n'ai plus rien dit, je n'ai plus de foi. Because I didn't have faith no more. Je me suis trouvé tout seul dans ma maison, ça fait plus de 6 mois. I found myself alone at home, it's been roughly 6 months. Un jour, j'ai claqué sur mon ordinateur, j'ai vu cette église. And one day I was on the computer and I saw this program. Et j'ai prié pendant mon songe. And as I was dreaming, il y avait une prière ici et puis l'homme m'a dit tu es guéri. And there was prayer here and the man said you will healed, you will be healed. Je connaissais pas cette église. I didn't know this assembly. Je pensais pas que j'allais être là aujourd'hui. I didn't think I was going to be here today. J'étais au travail, j'ai parlé à une collègue. I was at work and I was talking to a colleague of mine and she told me you take the train. C'est comme ça que je me suis levé le dimanche passé. And that's why le diable m'a bloqué, j'avais mal à la tête, j'ai pas pu. Sunday, last Sunday, I was in pain. Aujourd'hui I couldn't encore, come. Le matin, but today j'ai prié. Again, this morning I was praying. Et avant de partir, and before leaving, I said, Lord, you bring me today. Mais je suis quitté chez moi, j'habite tout près là, Boissy Saint-Léger. Depuis 8 heures, je suis arrivé ici à 14 heures. Le diable m'a bloqué encore, mais je dis, Seigneur, from 2 p.m. I was there, si the devil là, je dois trouver ma guérison, mène-moi aujourd'hui. If it's here that I need to find my healing, I will be healed. Le train qui est venu, ils ont retardé le train encore pendant 3 heures du temps quand j'ai pris le train. And the train was 3 hours delayed. À la sortie ici, j'ai dit Seigneur où je vais, tu m'amènes toi-même. I said Lord where I'm going you will lead me. J'ai vu ma sœur qui est arrêtée là-bas en blanc là. Je lui ai dit ma sœur. I was with my sister. Elle me dit qu'est-ce que tu viens me dire? Tu cherches quoi? Je dis l'église. Elle dit viens. I was with my sister and she accompanied me here. She told me this is your day today. Mais ce que je rêve être délivré. But what c'était I dreamed mari de nuit. About being delivered, it was the night that has been. Depuis des années, and I didn't des know siècles. That my back issues that I've been suffering from 20 years. She told me, my sister, come, you will be delivered today. I am delivered. I am healed. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Lord. Oh. Va et que Dieu t'accompagne. Alléluia. On donne la ceinture comme. Voilà, tu peux garder ça comme un trophée. Tu vois, mon frère Alain, c'est ça le problème. So this is the problem, see? Les gens disent non, il y a que miracle. Mais le problème que vous, Jésus guérit les gens. Jesus heals people. Vous vous rappelez notre frère qui est venu la dernière fois de Belgique. Vous vous rappelez de lui, frères et sœurs? Dieu est comment?
Dieu est comment? Il y a une personne qui a une tumeur cancéreuse. Si tu n'as pas honte, viens, elle va partir à cette tumeur. Au nom de Yeshua, on acclame le Seigneur de gloire. Ok, c'est quelque chose qui marche partout. Dieu qui a donné cette parole de connaissance, vous pensez que cet homme peut être guéri, qui le croit? Amen. La mort va le lâcher maintenant. Sors de ce corps. Sors de ce corps. C'est la sorcellerie qui a été faite contre lui. C'est un démon. Il va partir là. Et quand le médecin là, il va pas en revenir. Frère, Dieu quand il parle, il est derrière. Moi je connais pas cet homme. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oui, démon, sors de ce corps. C'est au niveau de ce ventre là, vous voyez, non? Il s'en va. Sors de là. Alléluia. Allez, sort. C'est bon. Alléluia. Regardez, c'est bon. Alléluia. 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 Jésus. C'est là qu'il fait ses besoins. Là! C'est la première fois que tu viens ici? Jésus est bon. Asseyez-vous, asseyez-vous.
grand. Jésus est grand. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est fils de Dieu. Je suis venu de la Belgique. Il est venu de la Belgique. Je suis venu de... Depuis hier, j'ai vu des témoignages. J'ai vu le frère Chora. Ça fait 12 jours que j'ai subi cette opération. Mais j'avais cette fois que j'ai dit que le Seigneur va me guérir. J'étais à l'hôtel. J'ai essayé vraiment de me reposer parce que je ne pouvais plus bouger. J'ai regardé ma montre, c'était 1 heure. Je me suis réveillé avec des douleurs intenses. Je ne voulais pas réveiller ma femme. J'ai dit, je vais mourir, ça y est. J'ai tenu mon ventre comme ça, j'ai dit, bon, je vais quand même réveiller ma femme. Il me lui dit, quelque chose ne va pas. Je l'ai réveillée, elle est là. Des douleurs de mort. Elle avait dit qu'on va partir en Belgique. Ça y est, non, on va partir. Mon fils est là aussi. On a préparé la voiture. J'ai dit, moi, je ne vais pas partir. Le diable ne va plus me faire peur. Ma femme m'a dit, mais tu vas mourir. J'ai dit, celui qui a commencé en moi, il va le terminer. J'ai dit, c'est le diable, il me fait peur. Je n'ai plus peur, Seigneur. Je compte sur toi, Seigneur. Je vais partir à l'église, quelles que soient les douleurs, et je vais être guéri aujourd'hui. Et ma femme est là comme elle ne s'exprime pas en français, mais elle a beau insister pour que je parte. Même mon fils est allé me réserver un billet par avion. Je lui ai dit, je ne vais pas partir. Il est allé me réserver un billet par TGV. Je lui ai dit, je termine le culte, puis je vais partir. Et Dieu est là aujourd'hui. Mais une chose est certaine, mes frères. Le médecin m'a condamné. Je l'ai jamais dit à papa. Je l'ai jamais dit, je lui ai caché quelque chose. Mais dans mes prières, j'ai dit que je ne vais plus mourir parce que Dieu est vie. Dieu est vie, il vit en moi, je ne vais plus mourir. Mais j'ai fait un serment. Tout ce que vous avez dit, frère Chora, lorsque vous avez dit, je vais partir en Inde, je vais partir ça, ça et là, c'est pour moi. Je peux prêcher dans. Je fais ce serment, Dieu. Ne m'oublie pas. Parce que je vais crier comme Jean-Baptiste. Dieu m'a guéri. Et Dieu veut te sauver encore moi aussi. C'est pour moi que tu as dit ça. Amen. Lorsque je l'avais entendu, j'ai dit, tu me parles, Seigneur. Et je t'ai fait ce serment. Je vais l'accomplir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, il vient de la Belgique. Non seulement que Dieu a fait ce miracle, le Seigneur me met à cœur, on va vous rembourser votre billet. Mon frère David, on leur donne 200 euros pour le transport. Amen. Ils partent avec cette bénédiction. Amen. Au nom de Yeshua. Mais on n'a pas réservé par avion, on est venu par voiture. C'est bon, on participe. Pour ta mission dans le monde. Amen. Alléluia. Donc vous pouvez rentrer maintenant.
chantons alléluia. Amen. Chantons alléluia. 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 David, faisons notre don à notre frère missionnaire de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Père, non, Jésus est le même. Jésus est le même. Il m'a dit qu'il allait nous surprendre. C'était le début.
des choses. Là, c'est le don que Jésus a donné. Ce n'est pas nous, c'est Jésus. De 200 euros que le royaume a donné à notre frère. Donc, tu es d'origine musulmane. Hein? Bon, je suis algérien. Pour les frères et sœurs de l'Algérie qui sont là, qui sont connectés. Mais je n'ai jamais été musulman. Je n'ai jamais été senti musulman. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Oh, les musulmans, venez voir la lumière de Dieu. Gloire à Dieu. Un petit mot en arabe. J'aime bien cette langue. À Kabyle. À Kabyle, parce qu'il y a beaucoup de frères, de sœurs de Kabylie qui suivent. Alors, je suis allé me faire le Messie. Venez voir la lumière de Dieu, que vos cœurs changent. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Vous vous rappelez de lui, frères et sœurs? Dieu est comment? Dieu est comment? Waouh, waouh, waouh. Magnifique le Seigneur. Ça va? Oh oui, ça va par la grâce de Dieu. Alléluia. Ça fait plaisir de te revoir. Amen. Vous me manquez aussi. Allez. Oui, c'est un peu loin, mais j'ai essayé de faire un effort quand même. D'accord. J'ai essayé pour remercier les frères aussi et sœurs. Amen. Qui étaient contents ce jour-là, qui étaient fortifiés aussi ce jour-là. Amen. Et pour vous fortifier encore plus, j'aime utiliser un terme, Dieu est grand. Amen. Dieu est grand, il est vraiment grand. Et je pourrais vous dire que depuis ce jour-là, chaque jour, il y a une amélioration. Chaque jour. Et trois jours après, parce qu'il y avait des analyses, j'attendais les résultats. Et c'était un lundi, j'étais là samedi. Et lundi, j'avais un rendez-vous avec mon médecin. Et j'étais dans la salle d'attente. Et lorsqu'il est venu m'appeler, je me suis levé et je marchais. Puis je suis rentré à l'intérieur, il m'a dit, ça va? Je lui ai dit, ça va par la grâce de Dieu. Ah oui, j'ai remarqué en toi quelque chose. Oh là là. Ah, j'ai remarqué quelque chose en toi. Je n'ai rien dit. Parce qu'il y avait d'autres analyses encore. J'ai dit, une fois que je suis sûr, là je vais témoigner. Et ce n'est pas longtemps. C'était jeudi dernier. J'avais des analyses de sang et croyez-moi que j'avais peur. Je suis humain. J'avais des analyses de sang. Parce que le médecin m'a dit, peut-être qu'il va y avoir des fuites de cellules. Alors, je ne cessais de prier. J'ai dit, le Seigneur m'a guéri. Satan, tu as pris ta saleté. Et il ne revient plus. Et jeudi dernier, mon médecin utilisait aussi un geste. Oh, Jésus de Nazareth! Alléluia! Alléluia! Et dans les urines, il y a ces zéros. C'était à 10. Bon, ceux qui connaissent, par exemple, les termes scientifiques, moi je ne connais rien. Bon, dans les urines, c'est zéro. C'était à 10 et c'était descendu jusqu'à 0. C'est-à-dire, il n'y avait rien. Et le sang, c'était 0. Oh là là là. Comment remercier? Le cancer, il est venu avec un cancer. Comment délivrer le témoin est parti. Vous avez vu le témoin sur internet. Zéro. Frère. Et le dernier mot que mon médecin m'a dit. Je suis malade parce qu'avec les émotions là. Je ne me souviens plus parce qu'il a utilisé plusieurs termes. Ah. Il m'a dit. Mais c'est très tôt pour toi. Ça fait 2 mois déjà. C'est très tôt. Mais comment ça? Moi, je disais à l'intérieur de moi-même, par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. C'est trop tôt. C'est très tôt pour moi pendant
de moi. Mais j'attends le moment parce que j'ai encore d'autres analyses. Et là, je vais le lui dire. Je ne vais pas cacher quelque chose que le Seigneur a fait. Je vais témoigner. J'ai d'autres analyses de sang dans un mois. Parce que j'ai. Mais je sais que c'est réglé. À l'intérieur de moi-même, c'est réglé. Wow! Amen. C'est très tôt. C'est très tôt. Sois loué. Alléluia. Sois loué. Sois loué. Alléluia. Car tu es glorifié, Jésus. À jamais. Car tu es glorifié, Jésus, à jamais. On acclame Jésus-Christ de Nazareth, frère. Bonjour. Bonjour. Tout ça, ce sont les médicaments? Oui, c'est les médicaments. Ça, c'est petit. Ça, c'est rien, ça? C'est rien. Ça, c'est rien. C'est un grand carton. Un grand carton? Rempli de médicaments? Rempli de médicaments. Aujourd'hui, tu n'en as plus besoin? Non, pas du tout. Alléluia! Alléluia! Hé, frère! Je peux? Jesus Christ! Wow! Qu'est-ce que tu avais? Donc, j'ai une maladie qui s'appelle la sarcoïdose. Mais les médecins, ils ne vont pas dire que... Parce que sarcoïdose. La sarcoïdose. Donc, ça abîme le... Chut. La sarcoïdose abîme le foie. Je peux parler à Lingala? Tu peux parler à Lingala, on va traduire. La maladie s'appelle... Il n'y a pas un autre micro ici. Regardez-moi tout ça. Elle dit que tout ça, là, c'est rien. Il y a encore un grand carton à la maison rempli de médicaments. Mes amis, les gens souffrent. Filmez-moi tous ces médicaments, là, frère. Tout ça, là. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Ça, c'est, elle dit que c'est rien. Amenez-moi un micro, là. Oh, je suis dans la joie, là. Je chanterai de tout cœur. Ça parle. Les merveilleux. Le micro. Je chanterai les merveilleux. Alléluia. Oh, raconte-nous un peu là. Amen. Amen. Donc depuis 2006, hein, je souffrais de cette maladie. J'avais 35 kilos. Elle pesait 35 kilos. 35 kilos à mon âge, donc c'était vrai. J'étais vraiment trop maigre. Et puis il m'a amené à l'hôpital Corbeil. J'étais hospitalisée là-bas. En 2007, je fais le mariage avec mon mari. Malgré tout, je suis malade, mais il a accepté. Oui, j'étais malade, mais il a accepté de m'épouser, de me mettre une bague alliance à la mairie. Et je porte son nom. Mais je suis toujours malade. Toujours malade. Ça, c'est rien, ça. Depuis 2006. Donc, c'est le poumon de foie qui est abîmé. J'ai craché du sang. Elle crache du sang. Et du sang qui sort. Tu peux parler Lingala. Hein, tu vois. Ok. Donc, nazo crache maquila. D'abord, je crachais du sang. Et maquila, comme ma nazolo. Dans les narines, il y avait du sang, il coulait. Maquila, avec matière, parce que c'est les foies qui. Il y avait des bouts de foie qui sortaient aussi. Après, quand je viens ici. Je suis venu ici. Tout le temps, son naïe, naïo, kaka, les calibosso. À chaque fois, on me dit, on appelle les gens qui sont malades, je passe devant pour la prière. Et parce que la respiration échange. Je ne peux même pas sauter un peu, tout ça, et faire de mouvements.
Et puis, na kuka kuma tabi escalier. Je peux même pas monter les escaliers. Na kuka kuma même moi na ngati. Je peux même pas porter mon enfant. Parce que je souffre comme tel. Parce que je souffre beaucoup. Après, il faut que j'attende les greffes des foies les 30 mai. On devait me faire une transplantation de foie le 30 mai. Après les premiers, je passe tout le temps prier ici. Je venais tout le temps là pour la prière ici. Quand le apôtre Azobengabo, quand le frère Chora appelait les gens pour la prière, je venais. Je n'allais caca, n'allais car tout le temps. Tout le temps, je venais. Après, à l'Obibo, que nous salons d'examen. Après, il nous a demandé d'aller faire des examens et de revenir avec. Avec les résultats. Les résultats. Dans mon abasser, bah frère, bah les caca, bah y a quand même des résultats. Je vois des frères et sœurs qui reviennent avec des résultats. Mais moi, je ne passais pas. Après, il y a aussi le canal Bino, il y a sous l'église, c'est parce que nous avons l'église. Et j'étais vraiment un peu révolté, je me disais, mais Dieu ne m'aime pas. Mais mon bal nanga continue toujours au bon de là. Mon mari continue à prier toujours. Après, il y a comme le balanga, il y a au bon de la raté, il faut bon de là. Et il me reprenait, il me disait, mais il faut prier. Je disais, je prie, mais Dieu ne m'aime pas. Le 30, c'est dans aucun hôpital. Le 30, je vais aller me faire greffer le foie. Après, le 7 avril. Le 7 avril. C'était lundi. Un lundi. On a passé un scanner. Je suis allé faire un scanner. Ils ont regardé le foie. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Alléluia! Wow! Jésus! Mike, ici, Mike, s'il te plaît. Jésus, le roi des rois, le roi des rois, Jésus, wow, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, il m'a délivré. Je chanterai que les merveilles de mon papa Yahweh, il m'a ôté ténèbres. Yes, on y va. Mon papa. Klaus, David à batterie. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à faire, à Yahweh m'a libéré. Moi je suis dans la joie. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. La batterie là, c'est comment là, les amis là? Louons Dieu! J'ai marché. Il mérite la gloire à Jésus. J'ai fouillé les cieux, personne. J'ai fouillé la terre, personne. J'ai fouillé les eaux. Il n'y a vraiment personne comme nous. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Yes! On y va! Yes! Oh oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, tu
ton dos. Tu es. Oh, il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il t'a pas délaissé. Il t'aime encore. Jésus, il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Sèche tes larmes. Il t'aime encore. Rabbi, 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 Rabbi. Jésus. Je t'aime, Rabbi. Rabbi, Rabbi, Rabbi. Rabbi. Je t'aime, Rabbi. Oui, comme un étendard. Tu es. Comme un étendard. Tu es. Jésus, comme un étendard. Tu es. Oh, mon doudou. Tu es. Jésus, Jésus. Jésus, 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 quel est son nom? Jésus, Jésus, quel est son nom? 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 Jésus, celui qui guérit. Jésus, quel est son nom? Jésus, celui qui m'a fiancé. Jésus, mon doudou chéri. Jésus. Créateur, Jésus, mon médecin, Jésus, mon chirurgien, Jésus, mon généraliste, Jésus, quel est son nom, Yeshua, celui qui t'a dragué, quel est son nom, Jésus, alléluia, il est comment, moi, il est comme ça, 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 il est comment, comme. Il est comme ça, ça, ça. Il est comment, il est comment. Il est comme ça, ça, ça. Il est comment, comment. Il est comme ça, ça, ça. Il est comment, comment. Il est comme ça, ça, ça. Alléluia. Il est comme ça. Wow. Amen. On peut prendre place. Elle devait, mes amis, subir une transplantation. Elle devait recevoir un autre foie, un autre organe. Donc, Jésus est vraiment balèze. Alléluia! Il est plus que balèze, frère. Attendez, si les constructeurs d'automobiles ont des pièces de rechange, de sorte que quand une pièce est morte, on va au garage et on la remplace. Celui qui nous a créés a des organes en échange. Des organes d'échange. Jesus. Il lui a donné un organe tout neuf. Il faut des preuves médicales. Les médecins ont changé de langage. Qui peut faire ça là? Tous ces médicaments comme ça. Mubali nanga, kombonaye, Yesu. Frère, non, il faut l'aimer. Le chant des noces. Mobali nanga, kombonaye. Yesu, 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 Yesu. Mon chéri d'amour, quel est son nom? Jésus, 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 oh.
C'est bon? Alléluia. Il y en a encore. Hein? Il y en a encore. Il y a encore des médicaments, tu peux les ramener. Au nom de Yeshua. Jesus. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a eu d'abord le foie qui a été remplacé. Maintenant, il y a autre chose encore. Apparemment, il y a encore autre chose. Le médecin, marqué par médecin traitant. Je dois aller chez mon médecin traitant. Non, non, c'est nouvelle. Je lui ai annoncé cette nouvelle. Médecin traitant a dit non, c'est pas possible. Il m'a dit non, c'est pas possible. A commis lettre à l'obi kendo salamsousou parce que c'est pas possible. Il a écrit un courrier me disant d'aller refaire encore ces examens. Parce que ça, c'est pas possible. Parce que ça, c'est impossible. Il faut échanger. C'est pas possible. Moi, je dis, mais photo déjà, un gros diagnostic. Mais tout est là, le diagnostic est là. Ah, bien non. Il m'a dit non. Donc, ma foi et bébé qui n'a coquille au lac. N'dingue bébé n'a kati. Le foie était détruit. Donc, voilà mes jambes, comment mes jambes étaient abîmées. C'est comme ça, mes foies, il était. C'est comme ça, quand on souffre du foie, voilà, les jambes sont. Voilà. Le médecin traitant n'en revient pas, le monsieur, le pauvre. Chers confrères, je vous remercie du bien vouloir recevoir Madame Grâce Divine, âgée de, pour bilan cardiologique chez une patiente mise SS Amlor en février en raison d'une HTA. Je lui demande d'effectuer une biologie qu'elle vous montrera. Patiente suivie à la Riboisière pour sarcoïdose multiviscérale SS corticothérapie au long cours. Ah, c'est fini, oh! La sarcoïdose. La sarcoïdose a pris ses jambes à son cou et elle a couru. La sarcoïdose a été désarcoïdonisée par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Là, tu peux. Ah, non, je peux sauter, je peux courir. Tu peux courir. Ah, oui. Allez, cours alors. Oh là là. Waouh! On nous a caché avant, le véritable. Si je courais comme ça, quand je viens ici, je ne peux plus. Je ne peux plus. Avant, c'était comme ça. Maintenant, non. Femme, c'est bien. C'est fini. C'est bien. Alors, garde ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bon retour. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, tu peux laisser, nous, on va s'en occuper. Tu peux prendre tes documents, les médicaments, tu vas les récupérer tous pour aller faire je ne sais pas quoi là. On va s'en occuper. Qui vous dit que Dieu a changé? Qui vous dit que Jésus n'est plus le même qu'hier? Hein? Oh! Ça c'est magnifique ça. Est-ce qu'il y a-t-il un homme ici qui s'appelle Pierre? C'est toi Pierre? C'est toi Pierre? C'est toi? Portez-moi cet homme ici. Acclamez le Seigneur. Il est en train de s'occuper de toi, t'inquiète pas. Il est au contrôle. Il a vu tes pleurs, tes larmes. Oh là là, tu vas de nouveau faire à manger normalement. Je te dis. Vous
pouvez le porter carrément, il n'y a pas de problème. On amène une chaise ici. Qui croit que Dieu parle réellement? Waouh! Waouh! Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés tous les deux? Qui est venu avec moi? Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Non, non. C'est la première fois que tu me vois, que je te vois? C'est pour la première fois, moi aussi. C'est la première fois que tu viens ici? C'est pour la première fois. On acclame Jésus. C'est la première fois que ce monsieur vient ici, vous qui nous suivez depuis chez vous. Le Seigneur m'a dit à l'oreille droite, il y a un homme qui s'appelle Pierre ici. Et cet homme, que je le vois pour la première fois, je ne l'ai jamais vu, ni avant, ni après. Je le vois en même temps que vous. Le Seigneur m'a donné son prénom et je ne savais même pas qu'il était atteint comme ça. Et en fait, il a reçu une flèche, un démon mandaté par les sorciers de sa famille. Il ne devait même pas vivre. Il ne devait même plus vivre. Dieu veut le ressusciter. Jesus Christ. La puissance de la mort va te lâcher, mon frère Pierre. Jesus, qui est venu avec lui? Jesus Christ. Ah, il est là. Vous pouvez venir? La puissance de Dieu. Oh, Dieu d'Israël. Jesus Christ. C'est la première fois que vous venez aussi ici? Ça, c'est la troisième fois. La troisième fois. Donc, c'est vous qui avez amené Pierre? Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Donc, il vient de l'Angola, parce qu'on se connaissait en Angola. Donc, il priait dans l'église Bima. C'est là où on avait fait des choses, d'après eux. Voilà. Il priait dans une église, c'est là qu'on l'a attaqué comme ça. Là. Il était normal, hein? Très, très vigoureux. Oh Dieu, les gens ont des problèmes. Qui peut donner son prénom si ce n'est que Jésus-Christ? Moi, je ne peux rien, je ne suis pas un voyant. Il est venu de l'Angola. Vous savez faire la portugaise? Oh, Jesus Christ. Alléluia. Jesus. 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 Dieu est vivant. Jesus. Oh, mon Dieu. Jesus, 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 Seigneur, tu m'as donné son prénom, ce n'est pas en vain. Jesus, Pierre, tu es réveillé, ressuscité. Je brise cette flèche. L'onction vient sur toi maintenant, Pierre. Maintenant, maintenant, vie, reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois, reçois. Jesus, Jesus, bouge ces jambes là, bouge ces jambes, bouge, 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 t'as la main, bouge.
Amène-moi sa béquille. Sa béquille. Jésus. 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 Le roi des rois. Jésus. Le roi des rois. Jésus. Le roi des rois. Jésus. Amène-moi sa béquille. Jésus. 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 Le roi des rois. Jésus. Le roi des rois. Acclamez Jésus. Alléluia. Jesus. Pierre, tu ne mourras plus. Tu vas prêcher la parole de Dieu. Tu vas annoncer l'évangile. Au nom de Jésus, tu auras la nationalité française et tu vas évangéliser le monde entier. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Finish. Finish. Oui, et force. Fini. La combo de Yesu. Alléluia. Pasteur Julien, allez au bureau avec lui. Je suis pasteur Julien là-bas. Là. Alléluia. On peut s'asseoir. Dieu va s'occuper de tout là. Le démon est parti. Il a retrouvé toute sa mobilité. Au nom de Jésus. Et lui qui bouge beaucoup ses jambes comme ça là. Mon frère, merci. Et on ose dire que Dieu n'existe pas. Ah, t'inquiète pas là. C'est du tac au tac ici là. Hein, du tac au tac avec Jésus de Nazareth. Dieu me dit, tu vas faire à manger normalement. Jésus dit, Pierre est là. Pierre est là. Oh non, le Seigneur est tellement... Hein? Comment? Je voulais que mon mari vienne voir ce miracle. Jamais vu. Il est vivant. Jésus est vivant. Il est... Ah, il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Voilà, tout ça. Au nom de Jésus.